salut les gens. Le micro est ouvert, la cam va se mettre, voilà. J'espère que ça va bien les amis. Hop, on enlève ça et on retourne Krita. Bon, je vais juste baisser un peu la musique. Voilà. Bon, comment ça va, The Rigolo? J'ai l'impression que t'es le seul. Bon, moi je vais continuer ça, je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible tant qu'à faire. Bon, allez, on continue. Alors, dans un premier temps, je vais faire un caillou qui arrive ici. Une sorte de rocher. Comment je vais faire ça? Un truc peut-être comme ça. Non, ça va pas. Hop. Si, il faudrait que... Comment ça doit faire le rocher? Un truc comme ça peut-être. Tac. Hop. Bien. Bah écoute, c'est très très bien. Écoute, je peux pas te répondre mieux là. Hop, un truc comme ça. Hop. Bon, ça va être tranquille, hein. Le live de Senor égale buzz, non? De quoi le live de Senor? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait un bateau, ouais c'est vrai. J'ai une sorte de bateau. Peut-être il faut que je le modifie plus qu'il soit comme ça ici. Comme ça. Hop. Non. Que je me gourre pas. Un truc comme ça. Tu as pas compris? Non, j'ai pas compris par rapport au live de Senor. Peut-être un truc comme ça pour le rocher. Ah, ça me paraît bien. La notif de ton live m'a réveillé. Salut Loris, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. Bon, un truc comme ça, je pense que ce sera pas mal. Bon, bah du coup on va partir sur une face noire ici. Par contre le seul truc, ça serait qu'il faut que je mette toute la teinte de base ici pour avoir les reflets du... Enfin, les reflets. L'aspect brique en fait. Que j'ai réussi à avoir sur les autres rochers. J'ai décidé de le dessiner directement. J'ai rêvé de bouffe. Tu fais chier maintenant, j'ai un gros filet de bave. Le live de Canix 100...
sans... Sans le live de Senor égale buzz. C'est ça la bouffe que tu me parles, c'est Mimi? T'étais en train de la manger ou quoi? Alors moi j'ai mal dormi mais à un point inimaginable. Je me suis réveillé peut-être toutes les heures cette nuit. C'était horrible. C'était juste horrible. Dites-moi si la musique elle va trop fort ou pas. En attendant que mon truc il déplante. KFC, KFC, KFC. Ah oui d'accord. Je vois le genre. Un gros poulet quoi. Magedo. Moi aussi, un temps, j'arrive pas à dormir. Ouais, c'est horrible hein, quand on passe des nuits comme ça. Vraiment, j'ai essayé de tout faire pour bien dormir et pas moyen, quoi. Vraiment pas moyen. Au moins cette face là elle est faite, on va essayer de faire celle là. Ouais on va bien appuyer. Hop, on mettra les ombres juste après. Oui c'est un rocher au fait. The rigolo. On va essayer de faire vite et bien, d'avancer le plus vite possible. Hop. Bon, j'adore les deux. Bah, Senor, c'est un très très bon youtubeur. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment bien. Hop, du coup, là, on va assombrir. Toute cette partie-là. Vous voyez, quand j'ai une couleur de fond et que. Que je peins avec une autre couleur, y a vraiment des effets qui ressortent, c'est intéressant ça. On va mettre très foncé ici, on va réduire un peu la brush. On va essayer de chercher à avoir belle forme ici. Ici on va jouer un peu en dégradé. Hop, on va se rapprocher juste un petit peu. Cacahuète, très mal photoshopé. T'as vraiment des idées cheloues, mec. C'est pour ça que je t'aime bien, d'ailleurs. Entre les pattes d'araignée de mes rochers et la cacahuète, je vais plus voir pareil mon... Mon dessin après. Alors on s'en fout à moitié de déborder ici. Hein. Faut juste que ce soit un peu moins foncé. Parce que là où la lumière elle tape, c'est là où c'est le plus foncé en général. Genre ici, tu vois, ça doit être le plus foncé, tout le contour. Ça ira très bien. Je vais prendre un coup la gomme et je vais gommer tout le contour là, pas beau, histoire que ce soit net. De toute façon, je vais pouvoir le déplacer un peu après. Hop. Peut-être qu'ici c'est quand même trop. Merde. C'est quand même trop foncé. Donc, il faudrait que je l'enlève. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je suis pressé de voir le résultat final vite. Elle est dans le vide, elle doit tomber là. Non. Bah non, elle est quand même posée ici, quoi. Et tu peux imaginer qu'en dessous, là, ça rentre dans le sol, peut-être.
En tout cas, mais je vais la déplacer, hein, de toute façon. Hop. Je veux bien la reposer. Un truc comme ça, tu vois. À peu près. Un truc comme ça. Voilà. Ça me paraît mieux. Bon, maintenant je vais mettre la texture qu'il y a ici. Hop. Merde. Clac. J'aime bien ce pinceau. C'est celui-là ou c'est l'autre? C'est celui-là. Oh, j'étais pas loin en fait. Va falloir que je mette un peu plus foncé quand même à des moments. Ça rebug. Youpi tralala. De toute façon, quand le perso va monter dessus, arriver ici, il va sauter. Et en sautant, peut-être que ça va renverser le truc, j'en sais rien. C'est possible, hein. C'est possible. Salut, Flavien Craft. Pourquoi une insulte dès que t'arrives? T'as passé une mauvaise journée, mon ami? Alors, hop, on va continuer ici. Bon, en tout cas, il faut pas te défouler... par ici, si ça te convient pas le stream, tu peux juste partir, mon ami. Je dirais plutôt que c'est de l'art abstrait, très abstrait même. Je te taquine, c'est un bon début. Ok. Il est constipé. C'est une blague, je rigole. Ben écoute, c'est pas très marrant en soi. Mais bon, ça prouve que tu es jeune, tout simplement. Alors, hop. On va mettre plusieurs nuances de gris là-dessus. Hein. J'essaye de mettre quelques motifs. Ici, on sait qu'il y a une sorte de courbure, là. Merci, en tout cas. C'est sympa. Mais on est loin du résultat final, très très loin. Très 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 loin. Il y a du taf. Une sorte de petite mouche juste à côté de moi, je déteste les mouches. J'en ai pas peur, mais je déteste. Je trouve ça sale, une mouche. C'est The Rigolo, blague de merde, ouais. Mais... Le pauvre, il peut même pas se défendre. Il est fort noir là, je vais devoir mettre de la clarté dans tout ça. J'ai pas l'impression que je sois bien parti là. Je vais réduire peut-être un peu la taille du pinceau pour mettre... plus d'ombre, enfin plus de lumière, pardon, ici. Si vous avez des conseils, s'il y a des nouveaux dans le chat, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à me donner des conseils si vous connaissez un peu le digital painting et vous voyez que je fais des grosses erreurs, ben n'hésitez pas. Dites-moi pas, ouais, c'est de la merde ce que tu fais, tout simplement. Hein. Dites-moi, voilà, il vaudrait mieux que tu fasses comme ça, comme ça. Salut Underpika, comment ça va? That boy, bienvenue à toi. Pour le dessin, il y a un thème. Je suis parti d'un thème, oui, forcément. Pour l'instant, je fais juste une falaise. Donc bon, pour une falaise, il n'y a pas vraiment de thème. Après, c'est plus une ambiance que je voudrais incorporer dedans.
On va salir un peu tout ça. J'aime pas trop cet endroit-là. Je vais peut-être estomper un peu ici. Comme ça. C'est pas beau. J'aime pas. Et quand on n'aime pas, on recommence. Disons que la coupure ici, elle est pas. Elle est pas très belle. Salut Pika. Il y a eu un éclair de génie pour être. Oui, toi. Bonne blague. J'arrive pas à voir l'aspect que j'ai eu ici. Alors peut-être parce que je suis pas dans le bon gris. Peut-être un pinceau un poil trop gros. On va voir ça. On va essayer de rattraper le truc. Quand le logiciel il buggera plus. Toujours d'aussi beau dessin, Can. Merci, c'est gentil en tout cas. Bien que je ne trouve pas que ce soit fabuleux encore. Je verrai si je suis content ou pas de mon résultat final. Alors on va prendre un peu la gomme et on va faire le contour ici. Parce que ça joue aussi sur le fait que ce soit pas beau. Voilà, on va réduire un peu la gomme. Comme ça. Ici, c'est pas beau, ça. Hop. Ce trait noir, j'en veux pas. Ça me convient moyen, très très moyen. Je vous explique parce que déjà le caillou, j'ai l'impression qu'il est. Je vais peut-être le changer de position. Non, quand on me dit un humour de merde, je dis un humour de merde noir. Oh mon dieu. Selon où tu zoomes, ça fait des autres dessins, c'est bizarre, mais c'est toujours sympa. Salut Smoke the Weed, comment tu vas mon ami? Qui sait faire les records du monde sur Clash Royale? Moi je dis, c'est pour ça qu'on va bien ensemble, j'ai un humour de merde et toi une tête de cul. Les pires quoi. Un truc comme ça peut-être. Je me demande si je change un peu. Comme ça. Un truc comme ça. J'ai l'impression que ça le fait. Alors, faut savoir que là, il n'y a pas de jonction entre les deux. Je vais la faire. Hein. C'est normal. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite au moins. Je vais pouvoir voir à peu près la mise en place du caillou. Ouais, c'est bon. Hop. Hop, 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 je sors. C'est la prochaine fois, Loris. Oula, ma mine, elle commence à être bien usée là, les amis. Va falloir que je la change bientôt. Alors, hop. Déjà ici. Donc tout ça, ça va être ombré, hein, forcément. La lumière arrive comme ça, donc ici c'est vraiment noir. On n'a pas peur.
On va changer un peu pour les ombres, on va prendre un truc comme ça. Alors, il faut vraiment que ici. Pas ça. J'ai l'impression que c'est un peu mieux déjà. On voit juste pas très bien. Je vais baisser à mort l'opacité de la gomme et je vais gommer un peu ici. Oula, c'est beaucoup trop. Comme ça, j'ai l'impression que mon ombre était un peu trop forte en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu. Voilà, ça me paraît mieux déjà. Qu'est-ce que vous pensez de l'incrustation du rocher là que je viens de faire? Peut-être l'ombre qui est pas bonne ici, hein. C'est possible. Bon, ça bug, mais l'ombre qui est ici. Ça me paraît un peu bizarre. Je vais peut-être baisser un peu. Un truc comme ça. Je suis pas très très fort en ombre, les gens. Et ici, ça me paraît pas assez clair comparé aux faces qui sont ici. La lumière, elle arrive comme ça. Donc normalement, ça devrait taper. Ça devrait taper dans le rocher. Les ombres sont géniales. Ah, d'accord. Bah, merci beaucoup. Loris, est-ce que tu vas nous envoyer un petit dessin, toi aussi? Ça me ferait plaisir que tu nous offres un petit dessin. Après, je sais pas si t'as honte de tes dessins, je suis pas obligé de dire que ça vient de toi, mais. Fais-nous un petit dessin. Je vais baisser un peu et je vais mettre plus clair ici. On va regommer après, hein, les gens. Ça me paraît déjà un peu mieux là. Voilà, là, ça me paraît mieux déjà pour les ombres. Je vais repasser un coup de gomme. Voilà, là ça me paraît bien. Après, je foutrais certainement un quelques de couleurs dessus, hein, en incrustation. J'ai aussi les dossiers de Mimi. Un Pokémon. je vais faire un bonhomme en bâton, c'est le mieux que je puisse faire. Bah merci Smoke, c'est déjà très très bien. Après, les gens, faites-moi des éléments de décor s'il vous plaît. Faites-moi au maximum des éléments de décor, au moins je pourrais les utiliser. Parce que là j'ai plein de personnages mais très peu de décor en fait. Donc je sais pas, faites-moi des arbres, faites-moi des buissons, faites-moi une route, faites-moi, je sais pas moi, un trottoir, enfin bref. N'importe quoi que je puisse utiliser, je sais pas moi, un bâtiment...
Je sais pas, moi, en bâtiment, vous pouvez faire quoi? Un immeuble, une maison, un snack, un magasin, un nuage, par exemple, ouais, voilà. Soleil, pas forcément besoin, après, comme vous voulez, voilà. The Rigolo, tu me parles de la femme, c'est ça? Faites-moi des papillons. Ouais, grave, des papillons, des... Je sais pas, moi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un décor? Bah, tout ce qui peut toucher un décor. Des voitures, voilà. En ce moment, je trouve mes dessins merdiques. Je les ai quand même envoyés. Bah, franchement, je trouve que ça passe bien. Salut, Violet. Je fais du digital paint, là. Tout simplement. On essaye de faire une falaise. Hop. Bon, du coup, là, je vais arrêter le copier-coller. Enfin, là, j'ai pas fait de copier-coller pour ce bout de rocher, mais j'ai envie que ce soit à peu près cohérent quand même. Donc, si je continue au copier-coller, ça va se voir. Bon, quand ça buggera plus, merci. Pourquoi il veut pas? Merci. Du coup, on va essayer de raccorder ici tout ce trou-là, là. On va essayer de gérer ça. On va se mettre sur le bon calque. Non, c'est pas le bon. C'est celui-là. Celui-là et celui-là. Ok. Limite, je pourrais les rassembler, du coup, ces deux-là. Hop, hop, contrôle E. Voilà. Et du coup, ça fait partie du même. Et je vais continuer sur celui-là. Et ça ressemble à quoi? Bah, ce que t'as vu là pour l'instant, on a fait que ça. Je vais essayer d'avancer un maximum, même mon décor, j'ai un décor après qui va s'inscrire. Hein. Là, je veux juste faire une sorte de passage au-dessus d'une falaise. Je sais pas comment. Je pense que je vais faire un miroir de ça de l'autre côté. Il y a moyen. Pour pas me faire chier. Chez les psys, devinez ce que ça représente. Mon Dieu. Est-ce que tu serais pas amoureux de Mimi, Loris? C'est-à-dire que c'est ta vie, carrément. Ah, bah voilà, Under a eu le même sentiment que moi. Vous êtes les pires, les gens, vous êtes là pour me critiquer. Non, ça va faire bien. Je voudrais juste voir si, par exemple, je mets une ambiance, pardon, bleutée, voir ce que ça pourrait donner. Je vais juste essayer pour voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé. Alors, hop, je vais juste faire un calque comme ça. Alors, on va prendre le pot de peinture, on va prendre un truc bleuté. Un bleu assez foncé, qu'est-ce que ça donne? Ah, il veut pas? Ok, bah c'est pas grave, je vais le faire autrement. Hein. Là, je dois être en gomme. Ouais, on va le faire comme ça. Hop, on va foutre ça tout au-dessus. C'est bon, il est mis. Non, arrête. Voilà. Ok. Et ça, on va le mettre en... Je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Brûler, non, non. Mélange, je crois. Recouvrement, peut-être. Ouais, ça me paraît un peu. Ça me paraît un peu bizarre en recouvrement. Ouais, c'est encore plus bizarre. Ah, par contre, je peux le mettre en recouvrement. Voilà. Et en faible opacité ou un truc dans le genre. Ouais, ça donnerait un truc comme ça. C'est pas trop mal en vrai. What the fuck, Smug?
Oh du bleu. Le caillou se rebelle. Du bleu parce que c'est bleu. Il était une fois l'histoire d'un caillou. Mais un chicha magique. Quoi? Je veux dessiner une meuf qui twerk. Ah, ça me paraît plus mal que. Enfin, pas trop mal comme ambiance. Après, je sais pas si. Non, je peux pas le changer comme ça. C'est un peu dommage. C'est peut-être parce que c'est pas un masque. Faudrait peut-être que je mette en. Quelques de remplissage, peut-être. Couleur. Ouais, un truc comme ça. Ah, mais par contre, c'est du noir et blanc. Sérieusement? Oh! Eh là, on tient quelque chose, les gens! On tient quelque chose! Est-ce qu'on tiendrait pas quelque chose, là? Je cite pas de manga. What the fuck? Salut Glenn, bienvenue à toi mon ami. Là on passe dans du psychédélique les gens. Hein. Là c'est pour Smoke. Oh le pédo est de retour. Oui, je fume et me faites pas chier, juste fumez pas et puis voilà. Ah putain, je vous vois déjà venir là. Déjà que c'est pas facile d'allumer une clope avec une cagoule sur la tête, alors merde, hein. Me faites pas chier. Bon allez, j'arrête avec ça parce que ça part trop en couille. Bon, en tout cas, je suis content. Ça devrait le faire en tout cas pour l'ambiance. On se fera certainement un tournoi après les gens. Hein. Mais d'abord je voudrais avancer sur ça au maximum. Bon du coup je recommence là-dessus. Hein. Hop. Allez on continue. Réglage, pinceau. On est reparti. Du coup. Non, pas du bleu, allons. Oh les gens. S'il vous plaît. Bah oui, ça se voit pas. Je vais dessiner des sandales avec des chaussettes. La drogue, c'est mal, vous voyez. Tournoi. Une fois, il y a une pote qui m'a dit, je cite, « L'eau s'amouille. Suite à cela, j'applaudis avec un petit rire sarcastique. » Ok. Ben, félicitations, j'ai envie de dire. Ou j'en sais rien, en fait, sinon, mais... Bon. Ok. On va continuer. On va se faire des rochers. On va continuer ce rocher là en fait. On va le faire se terminer comme ça. Celui-là, comment on va faire? Celui-là, peut-être que la face ici sera coloriée. Et donc il y aura un autre rocher là derrière qui va descendre, je sais pas moi, comme ça. Ici du coup ça ferait un truc comme ça. Hop. Je suis vraiment à l'approprié mes rochers les gens. Là on va faire ça. Alors je me donne mes grandes lignes de rochers. Après si je respecte pas forcément c'est pas grave. Ce qui compte c'est...
c'est de suivre à peu près la même synergie. Vous voyez? Elle est pas là, Mimi. Bah non, écoute, je ne sais pas. Balancé dans un volcan. Du bleu et de la confiture. Bah quoi, ça allait bien un peu d'esprit de Dallas. Hop, on va rejoindre peut-être ce rocher là, on va le faire dépasser comme ça. Un truc comme ça. Ça descend encore en plus. Je suis pas très bon pour faire des rochers. En fait, les gars viennent pas pour Khan mais pour Mimi, bah tu le savais pas encore. Yo, t'auras fini pour demain. Non, 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 impossible que je termine pour demain, Kev. Ça fait plaisir de te voir. T'as pas cours, toi, normalement? Mais tant que j'ai terminé pour mon book, c'est bon. Hein. Moi, je m'en fous de le terminer pour demain ou pas. Clairement, je m'en tape. Il faut juste que je le termine cette semaine, quoi. Ça serait cool. Je pense que je le terminerai en live. Je suis en cours. Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié à quel point les... On était libre. Non, mais moi, je viens pour Khan et Mimi. Mais pas pour une autre personne précise. C'est le Larousse, il est gratuit. Ou alors c'est la drogue qui te limite, j'en sais rien, mais... Bon, en tout cas, ça se passe bien les cours, Kev. T'es en quoi, là? T'es dans quel cours? Bon, du coup, on va faire les faces noires. En tout cas, plus foncées. Voilà. Pour se repérer. Ici. Imagine, on rajoute des lunettes à Khan avec son bonnet et sa club. Tu mets un fond noir et blanc. Thug Life. Vous êtes les pires, sérieux. Alors ici, on a une face noire là. Face noire ici. Un monk. Non, c'est sur cette face là. Je dis de la merde. Donc ça ici, je peux le gommer. Parce que ça fait partie du même caillou. Clac, clac. Là pareil, je peux supprimer ça. Et Clash, pourquoi t'as une cagoule? T'assumes pas ta hête ou quoi? J'ai pas capté. Cours d'Unreal jusqu'à 19h30. Ah, bon courage, mec. Bon, ça va, ça devait être cool, Unreal. En vrai, moi j'aimerais bien faire ça. Je laisse mon chat répondre à la question du bonnet. Ils me connaissent mieux que moi maintenant. Bon, on va essayer d'avancer vite, hein, les gens. Je vous l'ai dit. En tout cas, plus vite que d'habitude. Ici, clac. Ici, là. Moi je suis en vacances et j'emmerde les rageux. Les gens, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, oh, Underpika. Underpika, pourquoi j'ai une cagoule? Réponds-lui. Je suis sûr que tu sais.
Alors ici ça va être ombré forcément, ici. Ok. Moi les cours préférés c'est maths et dessin. Ah maths je peux tellement pas moi. J'ai horreur des mathématiques. Mais genre horreur quoi. Et moi je triplais. Je t'emmerde. C'est une façon de voir la chose, ouais. Pourquoi pas? Bon, personne ne veut répondre à Danny Clash, je vais être obligé de lui répondre moi-même, s'il est encore là. Danny, dis-moi si t'es encore là, au moins je ne parle pas dans le vide, s'il te plaît. Et sinon je te répondrai du coup. Pourquoi la cagoule? Mais déjà c'est même pas une cagoule, c'est un bonnet. Hein. Le bon petit thé, les amis. Plus tard, je veux écrire un live et Cannes, j'ai répondu. Ah, d'accord, ok. Ok, ça roule. Bah, tu vois, c'est moi qui fais pas attention à vous. Hop. Bon, ici, là, on a ça. Alors, du coup, ici, on va faire comme ça. On sait que c'est ombré. Hop. Denis, parce qu'il fait des films X, t'étais pas là hier. Vos gueules! C'est même pas vrai. Enfin, si, mais à partir de 23h seulement. Bah, allez, on va continuer là-dessus. Hop. J'essaye de donner texture à peu près pareil à chaque roche et après je travaille les ombres, les gens. On essaye de faire ça vite et bien. Pourquoi le faire vite? Parce que j'ai plus beaucoup de temps en fait, tout simplement. Hop. On essaye toujours de suivre aussi avec les traits, vu que je joue beaucoup avec les traits comme ça, j'essaye de suivre la direction de la roche. C'est comme ça qu'on aura un relief. Hop. YouTube, le jeu m'incruste. Chacun ses délires, un canne. Ouais, c'est clair, hein. T'es pas dans le délire. Lâche-moi, merci. What? Pourquoi c'est noir? Je ne voulais pas que ce soit noir. Hop. Là, tout de suite, en fait, quand on a l'aspect brique, je l'ai seulement quand je mets un fond noir, j'ai l'impression. Au pire, je vais tout peindre en noir en dessous. Qu'est-ce que ça fait si je peins tout en noir, les gens? On va essayer. Je vais faire ça à claque. Non, noir. Wouh! Ah, c'est pas si mal en vrai. Hein. C'est pas si mal. Je pense qu'on va partir là-dessus du coup. Bon, allez, on continue. Cannes, je suis ton père. Non! Stylé les rochers. Bah, merci, mais c'est loin d'être fini quand même là. Hein. Très très loin. Hein. Il y a beaucoup de boulot, mine de rien. Je vais essayer d'avoir un aspect un peu comme ça, en fait, sur tous les rochers. Alors, du coup. Bah on va commencer à ombrer. Au moins je ferai pas 10 000 fois le boulot.
C'est peut-être un peu trop là du coup. Voilà. Si on va exagérer un peu la couleur. Donc on voit que c'est un creux, voilà. Hop. C'est un peu bizarre ici, dans le sens où la couleur est pas bien mise en fait. Normalement, elle devrait aller comme ça ici. Voilà. Ah oui, non, j'ai un angle comme ça en fait. Alors, on va le dessiner en noir tout doucement. Un truc comme ça. Même pas en fait. Ici c'est vraiment bizarre. Donc j'ai ça. Et sur ce volume là en fait ici, ça devrait... Alors j'aurais un truc comme ça sinon. Comme ça, comme ça. Et donc ici ça serait comme ça. Ouais c'est ça. En gros. On va pouvoir faire les ombres du coup. Merde. Clac. Ombre ici. Là, ombré. Et là, beaucoup plus. Voilà. Ici, on va accentuer un peu. Là aussi. Désolé, hein, les gens, j'interagis pas énormément avec vous. Ça me saoule à moitié, mais j'essaye de me concentrer dans mon dessin. Je pense que vous le comprenez. Ici, on va accentuer là et là. Peut-être un peu gros, du coup. Je vais gommer un peu les ombres après, de toute façon, si vraiment je vois que ça va pas. Ici, alors, là, c'est bon. Là, par contre, ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Va falloir que je prenne cette couleur là et que je repasse un peu ici. Parce que sinon on n'est pas du tout sur la bonne ombre. Je vais agrandir un peu le pinceau, voilà. Histoire d'avoir un bout. Alors là c'est pas beau, hop, ça, on va le mettre comme ça. Clac, est-ce que, ouais, c'est bon. Tout comme ça, oh mince. C'est peut-être un poil trop pointu pour moi. Voilà. Je dirais plus comme ça, et par contre... la roche a mal été faite ici. Ah, ça bug. Alors, qu'est-ce que vous dites? Une patate sautée. Quoi? Pika se réveille enfin depuis tant d'années. Smoke, tu es malaisant. Pardon, pardon, pardon. J'ai été violente. Salut Corentin, Corentin. J'espère que tu vas bien, mon ami. Salut Clash Gaming. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Alors ici le rocher il doit faire j'ai l'impression que c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et donc ici on a ça comme ça. Et ici c'est un peu en arrondi. Du coup il faudrait que ça se termine plus comme ça. Voilà. Faut que ce soit plus comme ça le rocher. Du coup on est reparti. Clac clac. On va prendre cette teinte là et on va recouvrir ici un peu.
repasse. Là par contre c'est quoi ça? Ok. Ici on va faire, on va passer un peu comme ça pour effacer le trait. Voilà. Attention, blague dégueulasse. Pourquoi j'aime regarder Cannes aux toilettes? Parce que je te fais chier? Ça serait une bonne réponse en tout cas. Comme ça c'est pas mal, peut-être agrandir un peu et donner plus de coups ici. Hop. Et repasser d'une teinte un peu plus sombre au-dessus. Hop, on va aller dans le noir, on va mettre l'ombre ici. Y a pas de logique dans le sens où normalement ça devrait être plus foncé ici, ou alors de l'autre côté plus clair, j'en sais rien, mais ouais, je suis pas très fan de ce que j'ai fait là. Là clairement il devrait y avoir une ombre. Là, ici, bon, c'est ombré, forcément. Ici aussi. Hop. Ça fait chier, il va emmerder Cannes. Je cherche l'amour depuis tant d'années, je ne l'ai pas trouvé, je dois être trop drôle. Ça doit être ça, ouais. Comment appelle-t-on un chien qui n'a plus de pattes? On l'appelle pas, on va le chercher. Oh mon dieu, c'est un chien tronc, du coup. Je prends la porte pour mes blagues. Au pire, Underpika, propose-toi pour Glenn. Solidarité, s'il te plaît. Qu'est-ce que je viens de pas dire? Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est mal fait aussi comme rocher. À moins qu'il soit en pointe et qu'on... Ouais, à la rigueur, ça le fait. Si on peut le faire comme ça. Si tu le dis. Ma blague du chien, c'est un vrai humour noir. Comment manger Cannes? Appeler des pandas. What? Pourquoi appeler un panda pour me manger? Quel rapport? Dis-moi juste quel rapport. Pareil dur, on va faire ici. Alors ici c'est une face sombre. Ici aussi mais pas trop, voilà. Me proposer un vidéo, non merci, putain, désolé, j'ai encore été méchante, je vais me mettre en PLS et pleurer dans un coin. Les festivals de Cannes. Pour les aveugles. Salope. Je suis méchant sur les handicapés, désolé. Ah merde, c'est des bambous qu'ils mangent, les pandas. Bah oui. Je croyais que c'est quoi, que c'était des cannes à sucre ou j'en sais rien. Alors.
c'est pas exactement l'aspect que je voulais en vrai. Je suis en train de me demander si réellement c'est bien ce que je fais. J'ai pas l'impression. On verra bien, tant pis. De toute façon, je peux plus reculer. Alors, hop, on va continuer ça comme ça. Ici, là, comme ça. Hop. Ça ici, on va mettre en noir. Non, le festival de Cannes. Pardon, TOT. What? C'est bien, mais t'as un rocher bizarre. Ah, ils sont pas finis. Cannes, t'aimes bien les feuilles de cannabis? Je répondrai pas à cette question. J'y vais dans 10 minutes, les gars. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire, Pika? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire que de regarder mon live en vrai? C'est tellement génial mon live, non? Vous avez le droit de me traiter. Hop. Je suis blessé, j'ai besoin d'une canne. Non, je veux pas aller dans une boule. Je suis Sacha, obéis-moi. Je t'emmerde, Sacha, fais un fuck Pikachu dans ton cul. Boule disco et on danse, les gens. Oui, de la danse. Le fameux Pika fuck. Non, Loris. J'ai mal à mon orteil. Je me suis foulé l'orteil. C'est con, ça. C'est quand même vachement con. Je préfère même pas te demander comment, d'ailleurs. Au fait, Corentin, t'es encore là? Faut aller chez chercher une potion. Je filme et hop, rapportez-moi du bif. Beefsteak, je m'en doutais. Fais un mur simple. Bah non, je peux pas, c'est une falaise. Je peux pas faire un mur tout simple.
Mais je vois flou, merde, ça c'est con. Tu me parles de quel rocher, Corentin, qui est bizarre? Merde. J'aimerais tellement mettre une autre musique que du NCS, les gens. C'est ouf. Et sinon, après, je suis obligé de d'enlever la monétisation et tout. Enfin, bref. Et ils sont jamais contents sur YouTube. Un peu au-dessus de là où tu dessines. Celui-là? Ou celui-là? Tu me dis, alors 1, 2, 3, voilà, je vois ces 3 là, sinon, bon après ici c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini encore. Tu connais la blague de la courgette? Elle court, 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 et elle se jette, se mange. Skip la musique Ken, si vous voulez. Je sais pas, c'est Alan Walker Fade, voilà. C'est ça la musique. Je sais pas, je mets au hasard les gens. Voilà. Complètement au hasard. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, j'aime pas les NCS, c'est de la merde. Bon, c'est sympa ceux qui les créent, les NCS, mais voilà. Merde. Hop, faut une broche plus grosse. Ça a l'air pas dégueu en gros. J'aime pas trop cette partie-là. Je sens de la déprime en toi, essaye de rigoler un bon coup, perso, je fais ça, mais je suis jamais triste. Stay determined. Merci Can, tu es bien bon. Bah, pour mon petit Loris, je peux bien faire ça quand même. Il m'en reste pas mal à faire ici, on n'arrive pas aux textures que j'avais là, hein. C'est un peu chiant. Peut-être parce que je suis pas parti d'une base plus noire, j'en sais rien. À qui tu parles, Pika? À tout le monde. Ok. Ah ouais, j'ai carrément des faveurs. Bah c'est gentil. Tu avais l'air de déprimer à cause de la musique, Loris. Pourtant, bon, c'est pas des musiques qui font déprimer non plus, ça, hein. On en est loin quand même. Bon les amis, j'en ai marre de dessiner des cailloux en vrai. Mais je peux pas m'arrêter. Mais je sais pas, j'ai pas les rendus que je veux. Et ça bug. Oh Ender Pika, je suis désolé pour toi, mais... Oh, je t'aime.
Bon, t'es sûr de pas vouloir changer d'avis, Under? T'as quand même le pédo qui t'a avoué ses sentiments. Hein. Pika visait juste. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Fais une pause, Khan, il faut jamais trop dessiner. Bon, oh, j'ai pas le temps, les gens. Pas le temps de faire de pause. J'ai juste hâte de terminer cette falaise et de commencer autre chose. Ou alors je pars sur autre chose et puis je reviens là-dessus après, mais c'est pas bon en général de se couper. C'est le gros au-dessus de tes... Ah ! Tu me parles de lui, du coup. Ici. Celui-là ! Celui-là ! Là ! C'est ça, Corentin ? Je vous emmerde et pas le temps de... Oui. Ah mais... Je sais pas, je le trouve pas si dégueu encore, non? Qu'est-ce qui va pas à ton avis? Je l'ai rajouté tout à l'heure. Désolé, j'étais en cours. Bah t'excuses pas d'être en cours, mon ami. Hein. En tout cas, bienvenue à toi, Thibaut. De toute façon, je pars dans 3 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire, Under? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire que de venir sur un live? Ah bah non, je dois partir, là. Ok, bah écoute, passe une très bonne après-midi. Gardez ma main, les gens. Enfin, je sais pas si vous avez un retour, mais... Regardez. Bon, là, je me suis bien lavé 3-4 fois les mains, déjà. Ah bah bonne chance pour le dentiste. Toujours chiant d'aller chez le dentiste. Moi j'aime pas. Faites modo. Non. Pourquoi cette couleur? Ben en fait ce matin j'ai fait des textures en Colorex. Avec de la Colorex. Attends, je vais te montrer ce que c'est. Allez. Tiens, bon, en même temps, je vais te montrer ce que j'ai fait. C'est de la merde, hein, c'est des recherches de texture. Enfin, je trouve ça merdique, mais bon. La Colorex, c'est ça, en fait. C'est une sorte d'encre. C'est un peu comme de l'aquarelle, si tu veux. Un peu comme de l'aquarelle, et... Sauf que les couleurs sont beaucoup plus vives. Du coup, voilà. Et en gros, avec ça, ben, tu t'amuses à faire des textures. Enfin, on atteste plein de trucs. Hein. Donc, c'est une recherche de texture, les amis. Ça paraît un peu merdique. En gros, ça l'est, hein, mais faut pas le dire. Ça, c'est un des partiels que j'ai fait, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est pas très beau. Voilà, voilà. Et ça, c'est le partiel d'un pote qui a fait. Voilà. Voilà, voilà. Vous savez tout. Et avec la Colorex, j'ai fait un truc dans ce style-là, du coup. Cannes, ce soir, il y a un live. J'en sais rien si on fait des lives cet après-midi, mais je pense pas. Je pense que... Je vais travailler ce soir. Ça balance. Kevin, t'es toujours là ou quoi? Comme les enfants, ils bavouillent sur tes feuilles. Sur des feuilles. C'est ça, et voilà pourquoi ma main. Ouais. Ah, je vous ai pas montré ce que le prof avait préféré chez moi, attendez. Alors, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ce truc là. Voilà. Alors je suis vraiment pas doué en ce qu'il s'agit du dessin et tout. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Attendez, il faut que je le retrouve. Oh, ça je peux pas vous le montrer, c'est trop horrible. Voilà. Alors ici on a le vent. J'ai représenté le vent, les amis. Et ici la pluie.
C'est bien les cours de dessin, hein, les gens. Waouh, le vent. Le diable de la terreur. Abonnez-vous à ma chaîne, je m'abonne à la vôtre. Mais quelle belle pluie. Je te rattrape, t'inquiète. Le vent égale cerveau. Pourquoi ça? Bon, du coup, c'est un peu bizarre parce que aucune des pierres a la même texture en fait. C'est un peu bizarre. Surtout celle-là, là, elle est moche. Ah oui, et Corentin, qu'est-ce que tu reprochais à ça du coup? J'ai pas vu, excuse-moi. Cerf-volant. Waouh. Le correcteur de ta bite. C'est-à-dire que tu peux changer ta bite comme tu as envie, c'est ça? Salut, Loloc. On dirait le bout d'un pénis. Oh mon dieu, c'est le pire. J'aurais jamais dû te demander. J'aurais jamais dû te demander, mec. Alors comme ça monsieur s'éparpille. Pourquoi ça je m'éparpille? La vérité sort de la bouche des enfants. Et merde. Qui a inventé cette expression à la con, sérieux? Ou alors faut apprendre à vous taire. Comment ça je m'éparpille? Moi je m'éparpille pas, non mais oh. D'où tu me dis ça? T'es qui pour me dire ça, wesh? Moi je sais faire du vent et pas toi. Vu ton dessin, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a mon dessin? Il est pas bien mon dessin? C'est toujours les mêmes musiques de merde. C'est WAM ma gueule. Moi je sais faire le zizicoptère. Pourquoi tout le monde quitte le clan? J'en sais rien, c'est pour ça qu'on a changé le nombre de trophées là. On a changé
je vais baisser un peu. On a réduit le nombre de trophées. Au moins, il va se re-remplir le clan. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on n'a pas eu un coffre de clan au maximum. Ce qui, en même temps, est un peu normal. Moi, personnellement, je serais dans un clan où le coffre de clan, il... Non, ça va pas. Il est pas à 10, moi ça me gaverait en fait. C'est pour ça que j'ai un peu gueulé. Il y a un tournoi, oui, certainement qu'il y aura un tournoi. Après, je peux pas te dire à quelle heure, peut-être. Je sais pas, 5h. 5h30. En fait, j'aimerais terminer ça avant. Bon, j'en ai marre. Solution de facilité, c'est parti. What? Ah, ça a bugué. C'est plus drôle comme ça. Cam, au pire, tu laisses comme ça et après... Tu fixeras des limites de TR. Ouais, c'est ça. What? Pire, je vais prendre... J'ai pas envie de me faire chier à faire le reste. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de me faire chier, mais ça va être trop long, en fait. Donc, il faudrait que... Tout simplement, je prenne un bout de rocher... Hop, tout comme ça. Je fais un... Je sur le bon calque, ouais. Copier-coller, hop. On va le déplacer. Alors par contre, il faut que ce soit derrière. Hop. Voilà, on voit rien en gros. Hein. Juste on va enlever ça. J'ai dit enlever, pas mettre. Non mais oh. Bon, un truc comme ça ici, je vais réduire un peu le... comme ça les gens. Salut DY Pro. C'est un peu le fouillis quand même. C'est trop nul comme un crottin de cheval, je m'en vais. Je suis plutôt d'accord avec toi en vrai. J'étais content de certains rendus, mais là, c'est parti en cacahuète. Hein. C'est pas vraiment très beau. C'était bien parti sur certains rochers. Après, on verra bien ce que ça donne. Ouais, tu sais, Thibaut, c'est pas trop grave qu'il critique. Hein, moi, je suis ouvert à toute critique. Le seul truc, c'est qu'il faudrait qu'il dise bah, pourquoi c'est pas beau, quoi. En soi.
Mais bon, en vrai, ça excuse pas mon... Ce truc moche, quoi. Parce qu'au plus je travaille dessus, au plus je le trouve pas beau, en fait, mais... Peut-être j'aurais dû reprendre ces rochers-là et les mettre ici, je sais pas. Je sais pas du tout, en vrai. Le clan est pas actif, ouais, c'est clair. C'est trop de la merde, désinstalle Krita et mange du jambon. Ça a enfoiré, va. Sinon, plus sérieusement, tu devrais éviter de passer autant de temps sur un petit coin. Alors qu'autour, c'est à peine commencé. Ouais, je suis d'accord. Et comment tu ferais pour faire des rochers, toi, et rapidement? Dis-moi ce que tu ferais. Moi, tu m'as déjà dit de ne pas passer autant de temps, etc. Mais il faut les faire, ces rochers, non? Vas-y, progressivement. Ah, d'accord, tu me dirais de faire le gros d'abord. Ken, je vais être clair avec toi. Ouais, le clan est pas actif. Le 2 est beaucoup plus actif que le 1. Alors, je sais pas pourquoi. Mais une licorne qui pète des arcs-en-ciel. J'avoue. Mais oui, c'est clair. Rien faire de ce que tu fais dans ce live, mais je suis là pour toi. Bah c'est gentil, c'est une autre façon de voir mon live, ouais. Laser Luca Gaming, salut salut à toi et bienvenue. Skype, bah au lieu de me dire Skype, côtoie. Ah bah tu m'as envoyé un truc. Capture d'écran. Hop. Ta gueule. Hop. Alors, du coup je vais couper la musique avant. Ah oui, je vais devoir mettre des écouteurs, tu me fais chier. Oui, t'as bien entendu, tu me fais chier. Et en plus je t'entends pas, donc parle autant que tu veux. Bla bla. Ah merde, je t'entends. C'est juste que ton live c'est un petit peu chiant. Pourquoi? Bah parce que du coup y a déjà des décalages, donc c'est chaud. Ah, mais Attends, du coup, je vais fermer la fenêtre du chat. Ah oui. Tu vois, Glenn n'est pas sérieux avec le clan 3. Tu as baissé les TR, il a laissé le clan 3. Ouais, bah écoute, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Bon, Brun, je te laisse en haut-parleur. J'ai la flemme de mettre mes écouteurs. Tu vas créer un tournoi. Ça se voit que je fais du dessin ou pas? Ah bah non. Ah bah non, clairement pas. Vu que j'ai pas mis la capture d'écran. Voilà. Bon, sinon tu... Affiche ton dessin. Oui, bah c'est bon, c'est bah, bon, hein. C'est bon, ça y est, je le vois, c'est le décalage. Oh. Bon. Ouais, je te conseillerais de faire un truc. Vas-y. Ça fait un très dégueulasse. Ah, c'est vraiment chiant le décalage, punaise. Tu peux mettre un partage d'écran comme ça je vois en temps réel. Ou alors c'est trop pour ta connexion. Je sais pas, mais ils sont en train d'installer la fibre dans ma rue. Ah, chouette. Ah bah tu putain, ouais, c'est chouette. Arrêter. Merde. À mon avis, ce que tu devrais faire avant de faire tes rochers là, même si zoomer comme ça a l'air sympa, tu devrais en fait d'abord faire des ombres globales. Tu te souviens qu'on avait fait du... un concept art vite fait là avec le prof de dessin qui a remplacé Beltran. Je sais pas.
On avait fait un dessin avec un arbre et un bout de souche qui Oui. dépassait. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est ce qu'on avait fait en fait. On avait d'abord fait en fait les couleurs et l'ombrage général de tout ce qu'il y avait à dessiner. Et de là, en fait, on repartait, à chaque fois, on rajoutait un peu plus de précision, mais on faisait par couche, souvent. On faisait une couche globale, ensuite une couche plus précise, ensuite une nouvelle couche encore plus précise, et ainsi de suite. C'est du travail par itération. Et ça te permet justement d'avoir un truc cohérent partout. Et surtout, ça t'évite en fait de passer énormément de temps sur un coin et ensuite d'avoir des trucs complètement inégaux. Un truc qui est génial, c'est que là, tu vois, tu es en train de te concentrer en gros sur un petit bout de caillou. Ouais. Sauf que tu passes énormément de temps et j'ai l'impression qu'à des moments, tu sais même plus trop ce que tu fais. Et à un Ouais. moment, tu dézoomes et tu vois que tu as fait un dixième de la page et que tu vas devoir recommencer ce même taf à côté, mais en faisant un ombrage différent parce qu'il n'est pas orienté de la même manière. Et peut-être qu'ensuite, après, tu vas te rendre compte qu'en fait, l'ombrage que tu viens de faire, il est peut-être pas dans le bon sens, donc du coup, tu dois recommencer. Et ça, en fait, tu l'aurais évité si avant de faire autant de détails à un endroit aussi particulier, si Ouais. avant ça, en fait, tu avais fait déjà l'ombrage général de, on va dire, de la façade. Par exemple, là, moi, tel que je comprends, la partie inférieure gauche, là, en fait, c'est complètement à gauche, c'est face à nous. Et ce que tu as fait, là, en fait, c'est presque à 90 degrés. Ouais. Ce que j'aurais fait moi, tu vois, en première couche, c'est une première couche de couleur en noir et blanc. Toi, t'es pas en couleur. Première couche de couleur, en fait, déjà, tu fais de l'ombrage qui met en valeur cette forme-là. Et tu fais ça, en fait, partout sur l'image. Comme ça, t'es déjà fixé partout. Tu sais déjà, en fait, dans quel sens ta lumière va, déjà, dès le début, de manière globale. Et ensuite, quand tu fais une itération plus détaillée, tu fais le même travail, mais tu te sers de la couche que tu as fait en dessous pour faire l'ombrage qui suit. Et ensuite, quand tu arrives au détail à faire vraiment pierre par pierre, bah en Ouais. fait, tu as déjà fait tout progressivement, donc tu sais déjà ce que tu fais, tu sais déjà parfaitement comment tu dois travailler. Donc en fait, ça te facilite le travail au fur et à mesure. Et après, ça a un avantage, c'est que tu vois, quand tu fais par itération, en fait, tu fais par couche et tu as fait toute ton image. Donc ça veut dire que si jamais tu manques de temps, bah c'est pas grave, parce qu'en fait, tu as déjà une image complète. Elle n'a peut-être pas autant de détails que tu veux, mais au moins elle est complète. C'est-à-dire que tu peux l'arrêter à n'importe quel moment, ça fera juste que ça aura plus ou moins de détails, mais tu auras déjà une image qui est prête. Ouais, d'accord, je comprends. Tu vois le genre? Mais du coup, maintenant que j'ai commencé mon image, je peux pas le faire, ça. Bah, moi je te conseillerais d'arrêter tout de suite de passer autant de temps sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant et passer à la suite en fait. En fait, là, ce que tu ferais à ta place, c'est essayer de tout de suite faire tout l'image dans l'image globale, Les ombres. de faire les premières itérations. Là, tu fais les premières itérations et ensuite tu continues à faire les itérations jusqu'à égaler plus ou moins ce que tu as fait dans cet endroit-là. Et quand tu auras réussi déjà à égaler ce que tu as fait, bah déjà tu regarderas si tu as assez de temps pour continuer ou si tu dois tout de suite passer à la couleur. Ok. Sachant que quand tu feras la couleur, suivant comment tu fais, tu pourras peut-être encore continuer à rajouter des détails en noir et blanc après. Ok. C'est une bonne solution en effet. Et moi, ça me fait chier parce que Krita, il marche toujours pas chez moi. Ça me Pourquoi il saoule. marche pas? Attends, je reviens, j'ai juste branché ma tablette. Vas-y. Histoire que je puisse taffer là. Ah, elle est juste là en fait. J'ai dû la brancher en mode droitier maintenant pour au moins faire en sorte que ça fonctionne un minimum. Sauf que ça fonctionne pas bien. Mais J'ai Krita, il y a surpris. quoi Ah, qui c'est ça qui est bug? chiant. Ben, en fait, déjà, y a toujours le canvas qui frise quand je lève le stylo. Et maintenant, encore pire, il n'y a plus du tout de pression du stylet. Ah. Genre, c'est toujours à max. C'est ultra chiant. Du coup, c'est comme si je Mais dessinais à la souris, en fait. moi j'avais ce problème-là. En fait, Krita chargeait à chaque fois que je relevais mon stylo de ma tablette. Et un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai réinstallé et ça a refonctionné. Mais genre du jour au lendemain, comme ça, c'est trop bizarre. Moi, c'est la deux, troisième fois que je réinstalle, j'avoue, j'en ai un peu marre. Ouais. Surtout qu'après, je dois réinstaller mes broches et tout. Ouais, c'est assez chiant, je veux bien te l'avouer.
Quand tu installes, toi, tu installes la version par-dessus ou alors tu désinstalles et ensuite tu installes. J'ai toujours désinstallé et réinstallé. Ce qui peut être très très chiant d'ailleurs. Ouais, parce que ça supprime les préférences, quoi. Putain, ce con, il fait télécharger trois fois le même fichier. Ou alors, qu'est-ce que vous dites là sur, sur le chat? Ken, tu voudras Ah pas putain, m'aider il y a une pour. nouvelle version. De Krita? Ouais, c'est la 2 point... c'est la 3.1.2.1. Attention, le point à la fin il est différent. D'accord. Moi j'ai la 3.1.2, attention. Bah, il y a peut-être un correctif dedans, donc je vais la télécharger. Ouais, sait-on bah ouais. Jamais. Et ce qui est chiant, c'est que en fait, du coup, pour régler le problème de la pression, en fait, j'avais deux solutions. C'était soit mettre Krita sur mon écran normal et utiliser ma tablette Cintiq comme une tablette normale. Là, j'avais la pression. Ouais. Sauf que bah ma Cintiq, bah voilà, j'avais pas mon logiciel dessus, donc c'est un peu con. Bah ouais, grave. Soit la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de au lieu de détendre mon bureau, c'est sur ma Cintiq et mon écran principal, en Ouais. fait, j'ai cloné le bureau. Du coup, ma Cintiq, elle affiche la même chose que Ah, d'accord. l'écran principal. Sauf que maintenant que j'ai fait ça, j'ai la pression. Par contre, le stylet, il fait n'importe quoi. Ah. Genre, si je vais juste de droite à gauche avec mon stylet, sur le logiciel, ça va bien, mais dès que je suis sur le canvas, il y a des endroits où il va trop vite et des endroits où il va trop lentement. C'est le gros bordel, c'est genre, il sait plus du tout où il est. Voilà, Ça a l'air trop bien. ouais, génial. La folie. T'es sur fond transparent là? Oui. Mets un fond là. Parce que tu vas Pourquoi? être choqué. Tu vas être choqué. Ah oui, tu crois? Mets tout de suite un fond. J'ai pas envie d'être choqué. Le problème, c'est que si tu fais pas maintenant, tu le sauras plus tard, mais ce sera trop tard. Genre sur After Effects et voilà. Mets un fond, peut-être un fond sombre. Ou alors un gris. Ok, ça roule. Quand il voudra bien ne plus bugger. Y a un gris qu'il faut que tu connaisses par cœur. C'est Un... le gris, c'est le fond gris par excellence qu'il faut utiliser partout généralement et qui est bien neutre, on va dire. D'accord. Tu me dis quand t'es prêt, je te le dis. Je te donne le code hexadécimal, il est très simple. Bah pour l'instant, Krita, il n'y a pas envie. Frappe-le! Il Frappe-le! aura encore moins envie. Ah voilà, attends, je Ah. sauvegarde avant parce que, hein, quand même. Bon, du coup, je vais faire un peu le con sur le chat. Vous avez vu, je donne des conseils en live. Ah, vous avez vu, je baille moi. Ah, tu pailles. C'est bon là? Pas encore? Ben non, j'ai sauvegardé donc il doit rebugger maintenant. Super! C'est bon. Magnifique! Bon, fais un nouveau calque, tu le mets tout en bas. C'est good. C'est fait. Oui. Ok, ouvre ton sélecteur de couleurs. Enfin, c'est là où il y a le machin avec le code décimal à Ah, choisir. c'est bon. Et en code hexadécimal, tu mets dièse 80 80 80. Ah, il est Et dur. tu retiens cette valeur parce que c'est un gris génial. Et tu mets ça D'accord. en fond. Ok. Et voilà. Ça roule. Et tu vas remarquer que comme tu as peint en transparence, bah ton image n'a plus du tout la même gueule. Ok. Là où tu as peint. Et même autour, parce que le fait d'avoir une couleur différente, ça change la perception. Bah. Ok, on va voir ça. Clac et clac. C'est quoi le gros trait Ah, vertical là, à gauche, à la droite? c'était pour me délimiter ma zone. Parce que je vais peut-être changer d'environnement. Enfin, Ah je sais bon? pas, ça va être bizarre, je sais pas. Ah oui, il veut pas me le mettre en fond complet. Il veut pas. Ah ouais, c'est la vie.
C'est la vie, pas le paradis. Mais tant pis, je vais peindre. Hein. Sinon, tu caches les calques du dessus et. Non, mais normalement, il y a une option pour dire au pot de peinture de ne pas être influencé par les autres calques. Ouais, ou au pire, je prends un très grand pinceau. Hein. Je Ouais, sauf prends. qu'avec le très grand pinceau, t'es sûr qu'il va pas y avoir la même valeur partout. Ah mon Dieu! Pourquoi? Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Et aussi parce que t'es très intelligent, t'as mis un rush d'un million de pixels. Bah c'est bien 1 million de pixels, moi j'aime bien. Bof. Mais il est pas en transparence pleine en plus. Zoup! Ah, bah il manque deux petits trucs. Ça c'est con. Ça Voilà. se... Clac, clac, clac. Ah mon Oh Dieu, c'est putain, tout putain, j'ai... noir! Qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est devenu plus sombre. Bah oui. Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah ça. Ça, ça. C'est quoi, c'est très rouge? Ah merde, j'ai affiché ça. C'était pour me dire où il va passer le personnage. Ah parce qu'il faut faire ça en plus. Bah Fuck. oui, c'est pour ça que j'ai recommencé tout mon truc, hein. Loïc, va sur Overwatch, te fais pas avoir. Il y a Anthony et Kevin en plus. Bon, bah du coup, on va continuer à mettre les ombres. Mais je galère pour mes ombres, c'est un truc de ouf. Oui, c'est le dessin, c'est pas simple. Ah Bien plus dans bon? le monde réel. Ah, je t'assure, c'est comme ça la vie. Ah merde. Putain, je me suis inscrit dans cette formation en croyant que tout allait se faire tout seul, merde. Oh Je suis putain. déçu. Fucking creep. Je suis sur le bon calque au moins. Bah non, bien sûr que non. Sinon ça serait pas drôle. Hein? Merci. Oh punaise, ils sont out les serveurs de Krita. Bon? Bah, je suis censé télécharger à 12 mégas par seconde, j'ai téléchargé à 93 kilooctets. Waouh! Ça y est, c'est fini, wouh! Je vais pouvoir installer Krita, enfin. Ouais, Et mais pas dit peut-être qu'il plus avoir de fonctionne. problèmes. Ouais, ça se trouve, j'aurai encore plus de problèmes C'est qu'avant. ça. Moi, j'aurais essayé. Donc, d'abord, je désinstalle Krita. Mais faut surtout commencer toute la structure. C'est quoi la base? À part des arbres, bah y a pas de base en soi. Enfin, ma base, c'est juste mon. Corentin, Corentin, c'est pas le Corentin de l'année dernière quand même. Non. Ok. Non, parce que le Corentin Corentin est pas mauvais en dessin, celui qui est dans le chat. J'aimerais que l'autre. Je dis ça, mais j'ai rien, hein, mais un peu quand même. À la base, pas la base. D'accord. Merci Anthony. Salut Fireswag. Ça a l'air bien tout ça. Ouais, c'est ce que je me suis dit quand je me suis lancé. Voilà, tu vois. Si tu vois pas, de toute façon, c'est pas grave, hein. Ah, je peux dans la gueule. Je désinstalle Krita. Marche pas? Je suis en train de le désinstaller. Ah. C'est fait. Maintenant, je vais l'installer. T'aurais dû le faire pendant que tu t'es chargé. Espèce de gros Suis pas tranquille. nulos. Ça prend 10 secondes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et oui, pour te répondre du coup, Anto, ma base c'est juste un canyon ici, enfin un cratère plutôt. Une falaise, voilà. Décide-toi parce que c'est pas la même chose, putain. Ouais,
Putain, canyon, cratère, falaise. Aucun rapport entre tout ce truc-là. Mais si, il y a un trou. Ah, super. Dans une flaque d'eau aussi, hein, mais bon. Tant qu'il y a un trou, il y a un trou, voilà. Les gens sur le chat, je vous interdis de détourner cette Attends, sur phrase ça. totalement. Je vous l'interdis. Doucement, Donnie, doucement. Où ça, le trou? Est parti. Ah, tu l'as perdu, Anthony, espèce d'enfoiré. C'est ta faute, tout ça. Oui, je mets tous mes cailloux tout en noir. Non, non. En voyant ton espèce de falaise, là, je me dis qu'il y a déjà un problème d'ombrage avec les caillasses que t'as faites. Dommage. Non, c'est pas vrai. Ou alors il y a encore plus de problèmes. Qu'est-ce que ça fait? Non mais quand on voit l'ombre en fait on se dit que le haut du sol en fait il devrait avoir une ombre assez très différente de ce que tu as fait sur les caillasses. Au moins une ombre portée déjà. Le Alors sol. Anthony c'est très simple. Tu as des arbres avec un sol et au milieu t'as une espèce de V renversé qui est en fait un trou. Voilà. Voilà, il y a juste un trou. Et sur la gauche du trou, il y a dessiné des cailloux et sur la droite, il n'y a encore rien. Voilà, c'est ça. Je croyais que c'était déjà barré en fait. Mais bon, c'est pas Oui, grave. mais c'est pas grave. Pire, j'aurais expliqué pour les autres. C'est ça. Alors, Krita. Le trou de Mimix. Calme-toi, Thibaut. Tu parles pas de ta mère comme ça. On a plus qu'y parler, maman. Alors déjà, il a conservé mes paramètres. Je trouve ça rassurant. C'est déjà pas mal. Alors il veut étalonner cet enfoiré maintenant. Mais au final, tout ce que j'ai fait, c'est mettre de l'ombre partout. Je sais pas si tu vois, mais je galère avec les ombres. Au secours. Ah, personne n'a dit que c'était simple, hein. Mais ça ressemble à un amas de trucs noirs maintenant. Parce qu'il faut que tu travailles les contrastes. Ombre, ça veut pas dire noir 80%, hein. Ça peut être du gris très clair de l'ombre. Ok. Tu sais, l'année dernière, on avait des crayons graphite qui allaient jusqu'à 2H. Avec ça, on pouvait faire des trucs très clairs, pourtant c'était de l'ombre. C'est ça qu'il faut que tu travailles en fait. Faut que tu éclaircisses. Bah du coup Ce qui est tout. je vais éclaircir à la gomme avec une opacité de. Non, moi je te déconseille. Pourquoi? Moi je te conseillerais de prendre juste un gris très clair. Allez, de repasser au-dessus de mon ombre. Donc, tu commences par le. En fait, prends un gris très clair et fais l'ombre la plus claire que tu verrais dans ta scène. Et ensuite tu fais les intermédiaires. Ok. Essaie d'avoir des trucs un peu homogènes, parce que sinon après tu vas un petit peu galérer. Ouais, ok. On va Enfin, essayer de moi en tout partir cas, je là-dessus. garde l'arrière à ta place, donc voilà. Thibaut, Par j'en sais compassion, rien je vers te quelle heure je fais déconseille. du CR. Je sais pas, 5h30, 6h, ça dépendra de mon avancée en fait. Et vu à ce train-là, on va pas avancer très rapidement, tu vois ce que je veux dire. Alors. Ok, le canevas est toujours aussi pété, mais j'ai la pression. Ouais. Est-ce que tu veux que je te montre ce que ça donne? C'est quand même assez impressionnant. À chaque fois que tu relèves ton crayon, en gros, t'as. Non, c'est pas ça, c'est juste que quand je suis sur le canevas, le curseur il se met n'importe où sauf là où est mon stylo. Ah, mais c'est pas un problème de tablette, du coup? Ah, ça prend de Krita, hein, parce qu'il n'y a que sur ce Krita que ça me fait ça. C'est Space. C'est génial. Tu vois la barre d'outils qui est à gauche. Si je survole ça, tout va bien. Mais dès que je vais sur le canvas, ma souris, elle apparaît directement au milieu du canvas. Si je bouge vers la gauche, ça bouge vers la gauche normalement. Sauf que quand j'atteins les deux tiers du canvas, ma souris, elle est complètement contre le droit du canvas, elle est bloquée contre le reste de l'interface.
jusqu'à ce que j'atteigne vraiment l'interface avec mon stylo, et là, ça va bien. À demain, Anthony, Ouais, bon tu vois courage le pour les bordel? cours. Attends. Les techniques. Peut-être des tutos. Ouais, j'arrête pas d'en regarder, des tutos. Forme simple. Log, Je j'avais te lance. plaît le canard. Le canard dit à Cannes d'enlever le pénis. Quoi? Il est trop petit, il me fait peur. What the hell? Excuse-moi, Loïc, qu'est-ce que tu disais? Je vais essayer de créer un nouveau document pour voir si ça marche, mais bon. Perds pas espoir. Hey, Anthony, il a dit un truc pas con, tu devrais le lire. Si c'est pas déjà fait. J'ai tout lu, j'ai tout lu, j'ai tout par Merci. rapport au tuto? Ouais, et aux formes simples. Ah, bah en soi, on peut pas dire que c'est pas des formes simples, ce que je fais là. Je ne sais pas, ne me prends pas à partie. En vrai, ça reste quand même des formes très très simples, ce que je fais. Je crois que tu n'as pas la même notion de forme simple que lui, hein. Après, c'est pas des carrés non plus, mais. Je crois que j'ai abandonné Krita. C'est chiant quand même. Enfin, c'est chiant. Non, mais. Si, c'est chiant. C'est cool, Krita. Et t'as plusieurs PC? Non. Ah d'accord, ok. Ce que j'allais te dire, sinon il faut... Changer de PC, ouais. Bah tu testes sur un autre PC, voir si ça fonctionne ou pas. J'ai aucun problème sur aucune autre logiciel déjà. Bah moi je sais que par exemple sur mon gros PC ça buguait, sur mon petit PC portable ça buguait pas. Krita. Enfin, en tout cas les bugs que je te parlais. Bon, je vais fermer, je vais passer à autre chose parce que c'est une perte de temps. Tu fais quoi toi sinon là? Je lance le Fire Alpaga. Je vais continuer ma Wakiri. Ça te fait rire en plus? Bah un peu ouais. Elle fait marrer ma Wakiri, c'est ça? Oui. Pourtant, je la trouve géniale, moi. Mis à part la pose. Et quelques proportions. Le format de fichier de Fire Alpaca, c'est quand même MDP. Mais par contre, j'aimerais savoir un truc. Je vois sur la plupart des tutos que je regarde, les gens ne passent pas par les ombres comme ça. Ils passent directement par la couleur. C'est une technique comme une autre. Mais c'est peut-être mieux en fait. Enfin, c'est peut-être une Mais ils ont technique. peut-être aussi plus d'expérience aussi. Tu vois, Pourquoi? par exemple, dans les tutos de proportions, souvent il y a les gens en fait, ils dessinent leur perso en forme directement avec un gros pinceau, ils dessinent la forme et en place c'est mousse genre perso, ils ont juste à passer trois coups de gomme et ajouter des ombrages et des couleurs et en place c'est terminé. Ouais. Et ça, eux, ils peuvent faire ça parce qu'ils ont l'expérience, ils vont juste montrer trois trucs. Alors que quand tu débutes, tu vas plutôt essayer de dessiner des boîtes en fil de fer, littéralement, et puis faire des formes d'après ça. Et voilà. Moi, je te conseille de passer par cette méthode-là parce qu'en gros, ça te permet de vraiment te concentrer sur les parties essentielles de l'illustration sans te bloquer directement par les couleurs. Mais par exemple, genre mon arbre où je m'étais lancé seul dessus, là, j'avais même pas regardé de tuto, j'ai plutôt bien réussi, tu vois, directement. Alors qu'en noir et blanc, je sais que j'aurais jamais réussi à obtenir ça.
C'est pour ça que ça me trouble un peu. Après, je dis pas que la technique que tu me dis là est mauvaise, hein. Je sais très bien que c'est la base du dessin, les ombres, mais. J'ai juste l'impression de. Enfin, Tu après. vois, là, par exemple, tu passes déjà beaucoup de temps sur les arbres, là, je trouve, alors que t'as pas fait autant sur le reste. Tu pourrais faire des formes, tu pourrais faire des ombrages beaucoup plus simples que ça là, pour commencer. Ah. Ouais. Ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre alors. Bah, ça vient avec l'expérience après, hein. Ouais. Et puis je trouve que mes ombrages sont juste totalement merdiques en vrai. Mais est-ce que tu sais déjà où est où est la lumière? Ouais, la lumière, elle arrive de derrière les arbres là-bas. Attends, je le fais Ah autrement. bon? C'est chaud à dessiner ça, t'es au courant? Ça ici. Tu vois? Ben, il y a un gros problème avec tes caillasses alors. Bah, Parce qu'elles devraient pas être non, bonnes la comme ça. lumière, elle vient comme ça, tu vois, dessus. Mais ils sont pas un peu cachés par par la partie de droite de la falaise, tes caillasses, et par les arbres qui sont au-dessus, et par le bord, qui est au fond. Tu devrais avoir l'ombre reportée. Et là, tes Ben caillasses ont ouais. l'impression qu'elles sont éclairées par la droite, complètement. Bah du coup je peux peut-être placer mon soleil par la droite alors. Bah essaye, surtout qu'à mon avis, ce sera beaucoup plus évident pour l'ombrage des arbres. Et le resto aussi d'ailleurs. Ok. Moi, ce que Dans j'aime ce bien faire, c'est cas-là. quand j'essaie de fixer où est la lumière, en fait, moi, je dessine la lumière en trois dimensions. C'est-à-dire, plutôt que de faire une flèche ou en 2D qui indique juste la direction dans un seul plan, en fait, je la dessine un peu en perspective avec un cône, tu vois, carrément. Ouais. Parce qu'avec un cône, tu visualises en fait aussi la profondeur, enfin, dans quelle direction au niveau de la profondeur la lumière se dirige. Dans ce Et ça te cas-là. permet de pouvoir. Ça t'évite d'y réfléchir constamment quand tu fais ton ouvrage. Tu veux dire un truc comme je viens de faire là? Salut Mimi. Attends, je vais te montrer. Faisais un freaking line up là. Dans ce cas-là, je pense que ma lumière, je la placerai à gauche et non pas à droite. Parce que je vais reprendre quelques assets que j'ai fait sur mon autre concept. Et du coup, la lumière, elle arrivait de la gauche et non pas de la droite. Bah, faut que tu te fixes. Ouais, je vais la foutre à gauche du coup. Je pense. Comment ça va, Mimi? Content que tu sois là. Je sais pas si tu vois le partage d'écran, mais moi, tu vois, ma lumière, j'ai jamais vraiment comme ça, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Ok, je vois le genre. Merde. J'ai le droit d'effacer tout ça. Hop. Pourquoi j'entends pas ta musique? Et quoi? Pourquoi j'entends pas ta musique? Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. À moins que tu fasses comme dans Star Wars avec plein de soleil. Aussi, ouais. Ah, Krita qui bug encore.
fait, il est pas si bien que ça, ce logiciel. Je sais pas pourquoi il bug tout le temps comme ça, c'est chiant. Et c'est clairement pas mon PC, donc... Bah, ça peut être Windows, hein, franchement. Ouais, peut-être. Je suis en train de continuer ma putain de Valkyrie tout en sachant que elle est naze. Attends, je vais en mettre mes refs. Salut Isna, désolé, je t'avais pas vu. Peut-être on va prendre des références aussi pour t'aider. Ou alors te faire un peu comme du matte painting, c'est si tu mets des morceaux de photos en multiply. Moi c'est ce que je fais pour le sable et aussi pour les parties de falaise sur ma photo parce que j'avais pas le temps. Salut monsieur Piggy. Puis après coup je me suis dit bah voilà ça marche très bien et puis ça permet de complexifier le dessin sans y passer 50 heures mine de rien. Ah oh merde Loris. Bah j'espère rien de grave. J'espère que tu as vite sortir aussi ouais. Excuse-moi Loïc. Pleure. ou alors tout simplement je mets ma lumière juste avec des traits, enfin une sorte de triangle. Ça peut le faire aussi. T'arrives pas à faire des cônes, c'est ça? C'est juste que j'arrive pas à visualiser super bien. Ça a attendu en 9 heures, ça, t'es au courant? Mimi, tu m'as même pas répondu! Tu m'ignores! Et quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ça va pas plutôt t'induire ton erreur, ça, ton espèce de faune? Bah, au moins, je sais où elle s'applique, la lumière. Non? Bah, moi, je comprends rien. Enfin, moi, je vois ça, j'imagine, c'est une espèce de spot. Et ça voudrait dire donc que tout le reste, ça devrait pas être éclairé, et donc en fait, les trois quarts de ton image devraient être noirs. Je sais pas. Et ça me donne toujours pas l'information de profondeur de la lumière. Bah la lumière elle est en profondeur comme ça, non? Oh mon dieu. Ouais, salut Can. Comment ça va Mimi? Oh. J'en peux plus de ce dessin. Je crois que je vais faire une pause en fait. Oh. Des bêtises, je vais me mettre à faire des lives moi aussi. Mimi, ouais, juste pour savoir. Ou alors, envoie-moi un SMS, Mimi. Si ça te dérange pas. Je vais t'envoyer un message pour savoir. Je change de session vite fait pour modifier le drive de Nvidia et je reviens. T'as fait ton dessin sur que... ok Loïc, pas de problème. Sur combien de calques? Oh je sais pas, il y en a une paire là. Voilà, il y a tout ça en calque. Tout est décomposé mais je sais pas, je m'en sors pas. J'arrive pas à voir où je vais.
Bon les amis, du coup, je pense que je vais arrêter le live ici, les gens. Le chemin du perso. Le chemin du perso, enfin, je l'ai fait en soi. Il est signifié par un trait rouge ici. Ah, bah quand Krita arrêtera de bugger également. Oh. Voilà. Là pour l'instant mon perso il doit faire ça. Donc il est vraiment au second plan, on va dire. C'est vraiment le second plan. Premier second plan si j'arrive à les faire aujourd'hui. Au pire je fais grossièrement. Je fais vite fait à la couleur, je sais pas. De toute façon, c'est sûr que j'aurai pas terminé pour demain. J'ai trop de boulot à faire dessus. J'ai trop de boulot. Bon, du coup, je vais arrêter là, les gens. Je vais faire une pause, j'ai besoin d'une pause. Je vous fais des bisous et des câlins et je reviens tout à l'heure, les amis. Tchuss tout le monde.